Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée aux Fab Labs, qui sont des dispositifs d'innovation collaborative mis en place assez massivement dans les organisations. Un Fab Lab, qui vient de l'anglais Fabrication Laboratory, est un lieu où sont mis à disposition toutes sortes d'outils pour concevoir et réaliser des objets. Le Fab Lab peut être considéré comme un atelier dédié à l'innovation ouverte et au prototypage rapide. Il s'agit donc d'un tiers-lieu, un espace de collaboration et de liberté pour concevoir de nouvelles solutions. Comme espace collaboratif, il permet à des personnes venant de différentes disciplines, comme le design, comme la technique, comme le marketing, de se regrouper dans un seul et dans un même lieu pour imaginer, développer et concevoir de nouveaux produits. Bonjour Jean-Louis Compo, merci de nous recevoir au sein du SEB Lab, qui est le dispositif interne Fab Lab du groupe SEB. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour Valérie, je suis Jean-Louis Compo, je suis responsable du SEB Lab, le Fab Lab interne du groupe, comme vous dites, et je suis dans l'innovation dans le groupe SEB depuis une vingtaine d'années, et j'ai été en business unit avant d'être au corporate dans cette direction de l'innovation. D'où vient ce projet de SEB Lab ? Alors en fait, il vient d'un besoin des pôles innovation dont je faisais partie de matérialiser rapidement des concepts pour pouvoir les proposer aux équipes innovation des business units. Et en 2013, quand nous avons eu ce besoin, émergeaient les Fab Labs un peu partout. Et c'était pour nous une bonne occasion de tester ce concept en interne. On était à l'époque dans le démarrage d'un projet d'entreprise. Donc nous avons, dans le cadre de ce projet d'entreprise, lancé l'expérimentation. En interrogeant les équipes innovation, en allant les voir directement, en les interviewant, en leur demandant finalement, avec un Fab Lab, qu'est-ce qu'elles feraient de différent de leur travail de l'innovation habituelle. Donc ces gens-là nous ont répondu qu'ils avaient besoin d'un processus, ils nous ont donné un certain nombre de services qu'ils souhaiteraient obtenir. Et quand on a mis bout à bout tous ces services, on s'est retrouvé avec un processus qui ressemblait au processus classique du design thinking. Donc ça devenait un processus de design thinking mené dans le cadre d'un Fab Lab. Donc avec ça, nous sommes partis au recrutement d'une petite équipe. Donc nous avons commencé à recruter cette équipe. Et en 2014, nous avons expérimenté ce processus dans des Fab Labs externes pour tester uniquement le processus. Et puis, mi-2014, nous avons loué un local, une sorte de garage, dans lequel nous avons pu lancer les opérations complètes avec le processus et le lieu, et l'équipe bien entendu. Et nous sommes partis comme ça pour 18 mois d'expérimentation, avec de nombreuses sessions pour les équipes innovation interne, ce qui nous a permis d'aller au bout, de tester tout, et de valider ça dans le cadre du groupe, ce qui maintenant nous a amené à investir les locaux dans lesquels nous sommes, qui sont sur le lieu du campus du groupe SEB. Bonjour Cécile. Bonjour Valérie. Comment fonctionne le SEB Lab ? Le SEB Lab, c'est deux choses. C'est d'abord un lieu qui s'accompagne d'un processus. Notre processus, il est inspiré du design thinking et il va nous permettre d'accompagner des équipes innovation au travers de celui-ci. On va avoir plusieurs phases dans notre processus. On va avoir la prospection, la créativité, la matérialisation et le test. L'idée de ce processus, finalement, c'est d'accélérer les projets et de donner rapidement forme à nos idées. Le concept de Fab Lab a été développé au sein du Massachusetts Institute of Technology, autrement appelé MIT, par le professeur Neil Gershenfield. Dans l'acception originelle du MIT, un Fab Lab est un lieu ouvert à tous, équipé de machines et d'outils allant du fer à souder à des imprimantes 3D. Pour être appelé Fab Lab, un atelier de fabrication doit respecter la charte des Fab Labs qui a été mise en place par le MIT. Les Fab Labs sont réunis au niveau d'un réseau mondial qui est très actif. Ces dispositifs d'innovation sont aujourd'hui mis en place dans plusieurs grandes entreprises industrielles, comme Renault, qui a été un des précurseurs des démarches de Fab Lab d'entreprise. Bonjour Antoine. Bonjour Valérie. Quelles sont les fonctions d'un Fab Manager ? Alors tout d'abord, on peut discerner deux types de labs. D'un côté, les labs publics avec un fonctionnement ouvert et en règle générale associatif. Et d'un autre côté, les labs professionnels. Comme ici le SEB Lab où on est aujourd'hui, il est interne et réservé aux salariés du groupe SEB. Alors ensuite, dans ces structures-là, le Fab Manager, il a un rôle d'aménagement du lieu, c'est-à-dire qu'il doit le rendre le plus intuitif et le plus facile d'utilisation pour ses salariés. Ensuite, il doit effectuer tout un travail de maintenance
des machines et du matériel qui est à disposition. Parce que ce lieu-là doit être en permanence disponible pour les salariés. Et ensuite, par rapport à ces moyens-là, donc on va parler de moyens de prototypage rapide, ils doivent faire une veille technologique de ce qui existe sur le marché en permanence. Par exemple, l'impression 3D, qui est un moyen de prototypage rapide, évolue tous les jours aujourd'hui. Associé à ça, ils doivent faire de la formation. Donc il est vraiment l'interface entre l'utilisateur du lieu et les moyens de prototypage rapide, entre guillemets. Donc il doit former les salariés, parce qu'ici nous les utilisateurs sont les salariés du groupe, comme je disais. Il doit vraiment les former pour qu'ils soient le plus autonome possible après en session. Ensuite, moi au CEB Lab, je suis en charge d'un petit peu plus de choses, c'est-à-dire que par exemple je suis garant de la sécurité du lieu, donc au niveau du lieu, des machines et surtout des utilisateurs, parce qu'on est dans un cadre professionnel. Donc il y a des règles de sécurité un petit peu plus drastiques qu'à l'extérieur. Bonjour. Bonjour. Quel retour d'expérience suite à votre participation au CEB Lab ? Alors pour moi, les CEB Lab, c'est vraiment des accélérateurs de processus. Chez nous, en fait, on a un processus qui est en trois phases. Donc on a notre phase d'exploration, phase de conception, phase de réalisation. Et en gros, un CEB Lab, normalement, arrive très en amont d'un projet et nous permet de vraiment balayer cette phase d'exploration d'un coup, en l'espace de 2 jours si on fait que la matérialisation, ou 4 jours si on fait créativité puis matérialisation. Et donc en l'espace de ces 4 jours, on obtient ce qu'on aurait pu avoir finalement en 6 mois. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est qu'on peut avoir toutes ces équipes en fait, qui interviennent en même temps que nous, donc le design, le marketing et la recherche, même le développement ou la qualité certaines fois. Et donc on avance tous en même temps, pas besoin de refaire des rapports, etc. Tout le monde est d'accord et pousse le projet. Donc c'est vraiment quelque chose qui accélère et qui est porteur de projet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le donneur d'ordre de cette session CEB Lab. Quelles sont vos attentes ? Effectivement, cette fois-ci, après d'autres participations en tant que simple participant marketing avec la cassette marketing, ce coup-ci, j'ai fait appel au CEB Lab pour alimenter le plan produit du chauffage. Aujourd'hui, je suis en charge d'une catégorie qui est le chauffage d'appoint, qui est une catégorie où on remarque peu d'innovation en fait, sur le marché. Nous-mêmes, aujourd'hui, on est à une position relativement de leader. En tout cas, on est dans le top 3 mondial. Mais on n'a pas de grosse révolution d'un point de vue produit. On aimerait du coup venir apporter de l'innovation, en tout cas de la valeur ajoutée pour le consommateur, en termes de bénéfices, qu'on puisse valoriser du coup dans notre produit. Pendant 4 jours, en fait, on se met un peu en mode commando à réfléchir, génération d'idées avec une technique très particulière, en fait. Là, on n'est pas sur l'innovation from scratch, voilà, on s'appuie vraiment sur des bases architecturales existantes. Donc on avait cette contrainte forte de partir de briques techno que nos fournisseurs savent et maîtrisent aujourd'hui, en fait. Donc on avait une méthode de créativité vraiment très très précise, les schèmes, qui nous a conduit ensuite à écrire des concepts qu'on a poussé de manière très très précise en fait. Donc on est arrivé avec une shortlist, on avait une dizaine de concepts qu'on a shortlistés ensuite à travers un prisme de critères de faisabilité, de caractère innovant, de potentiel business aussi derrière. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la phase matérialisation où on s'est concentré sur 4 concept clé en fait qu'on aimerait voir monter un peu de manière factuelle. Donc on fait ça pendant 1 jour et demi et demain on fait venir des consommateurs potentiels, des testeurs en fait, et on va confronter nos concepts et nos produits, nos protos un peu quick and dirty, on va les confronter à des consommateurs potentiels. Donc pour nous, c'est un accélérateur dans le process de développement, c'est-à-dire que demain, potentiellement, je peux avoir 1 ou 4 produits où je me dis là, on tient quelque chose, on est assez avancé déjà sur et l'idée marketing et l'acceptation conso, et on pourra du coup passer à une phase de vrai développement. Qu'attendez-vous de ce dispositif CEB Lab ?
Ce que j'attends du SEB Lab, c'est qu'il soit un lieu unique dans le groupe SEB, un lieu dans lequel les équipes multidisciplinaires, qu'elles soient du marketing, du design, de la recherche ou des bureaux d'études ou d'autres fonctions, ce soit un lieu où ces équipes-là, elles travaillent pendant un temps vraiment très court sur des problématiques qui les concernent, sur soit de concevoir un nouveau produit ou résoudre une problématique très très pointue. Et que ce soit vraiment un endroit où on puisse non seulement travailler sur des nouveaux concepts, mais aussi aller jusqu'à faire du team building. On a des équipes, par exemple, de la finance ou des équipes des RH qui viennent ici pour une demi-journée ou une journée et qui, même en si peu de temps, se rendent compte qu'elles peuvent être très productives, très créatives sur un projet et elles redécouvrent l'intérêt de travailler ensemble. Comment anticipez-vous l'avenir de ce dispositif ? Alors, sur plusieurs niveaux, ce qu'on aimerait faire, c'est que on puisse cloner des SEB Labs un petit peu partout au sein du groupe, le faire en Chine par exemple, le faire sur d'autres sites en France du groupe. Ça c'est un premier point. Ce qu'on aimerait faire aussi, c'est non seulement physiquement implanter des SEB Labs, mais aussi transférer, faire diffuser cet état d'esprit SEB Lab aussi dans la manière dont les personnes travaillent. À savoir que si les équipes pouvaient utiliser ce côté très rapide, travail en multi-équipe, multidisciplinaire, dans leur projet actuel, ça les ferait travailler beaucoup plus rapidement, ça les ferait travailler encore une fois sur une logique d'itération qu'on aime bien faire ici. Et ça aurait un bénéfice incroyable pour le groupe en termes de rapidité d'action et de création de produits. Alors, qu'est-ce qui fait le succès du dispositif SEB Lab ? Bien, d'abord, ce qui est fantastique dans le SEB Lab, c'est que c'est comme le théâtre. C'est une idée de temps, d'action et de lieu. Et c'est ce qu'apprécient les équipes d'abord. Et puis ensuite, un grand facteur de succès, c'est tout ce process. Et à chacune de ces étapes, il y a des points saillants, marquants. Le premier point, c'est le kick-off, qui est vraiment, pour les équipes, un moment clé pour la constitution des équipes. Le deuxième point, c'est au moment de la phase avant la phase de créativité, on a toute une phase d'alignement des connaissances, de recueil d'informations, de données, qui est très vertueux pour les équipes parce que chacun amène ses informations et l'équipe est alignée en termes de connaissances avant même la créativité, ce qui est souvent très rare. Autre point, la créativité est un moment particulier pour les équipes parce qu'on utilise toutes les méthodes possibles, on est assez agnostique dans les méthodes. Et le fait que les équipes sachent qu'après la créativité, elles vont matérialiser les concepts, eh bien ça, en termes de qualité de concept, ça apporte des concepts encore de meilleure qualité, pour le dire comme ça. Et la phase de matérialisation en est d'autant plus concrète. Les personnes sont vraiment avec un objectif à la fin de ce jour ou ces deux jours, un objectif de fabrication qui est vraiment très puissant. Et c'est ce qu'apprécient les équipes parce qu'elles ne sont pas à travailler sur des concepts fumeux, trop exigeants. Et dans la créativité et dans la matérialisation, on est très down to earth, on est très terre à terre. Et ce qui est enfin très vertueux, c'est le fait, et c'est ce qu'on a ajouté récemment, c'est cette phase design thinking de retour consommateur très rapide pour boucler, pour finir l'itération. Et les équipes marketing, notamment, sont dithyrambiques sur ce sujet-là parce que voilà, ça permet vraiment de déverminer énormément de concepts et ensuite de repartir dans l'itération suivante. Alors Jean-Louis Compo, quelles sont les prochaines étapes de développement du SEB Lab ? Eh bien, les étapes de développement vont aller dans deux axes principaux, c'est-à-dire la pérennisation de l'exploitation, on va dire, innovation produit du SEB Lab. Actuellement, nous travaillons sous forme de session, donc pilotée. Nous allons enclencher bientôt deux nouveaux modes. Un mode qui va se diriger vers tous les salariés de l'entreprise, qui vont être invités à proposer des idées et à venir les matérialiser dans le SEB Lab. Donc ça, c'est un élargissement finalement de l'assise du SEB Lab au travers de l'entreprise et en allant en direction de tous les salariés. Un autre mode sera celui de suivre des équipes réduites sur un procédé récurrent pour accélérer certains projets. Donc certains projets très particuliers seront accélérés dans le SEB Lab. Et d'une autre façon, nous allons aussi nous diriger vers l'application des méthodologies du SEB Lab à d'autres services de l'entreprise qui ne sont pas techniques, mais qui peuvent avoir des problèmes de résolution de sujets ou d'innovation. Donc ça pourra être les ressources humaines ou tout autre service, ça peut être les finances. Pour tous ces services, on pense que les méthodologies appliquées dans ce SEB Lab seront efficaces. Merci beaucoup. Les dispositifs de Fab Lab interne permettent à des collaborateurs organisés en équipe projet de générer des concepts innovants en faisant des maquettes, des démonstrateurs.
Le Fab Lab est un catalyseur d'innovation qui mobilise des compétences et des expertises diversifiées.